Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le week-end. Week-end du 1er et 2 avril. Poisson d'avril, bonne poisson d'avril à tous les enfants, petits-enfants. Alors, nous allons regarder déjà avec le jeu de 32 messages à voir, à recevoir. Voir un petit peu ce qu'il en est pour ce week-end, premier week-end d'avril. Ensuite, tirage à 9 cartes avec le petit Lenormand, Sweetness of le petit Lenormand. Donc, nous ferons un tableau classique hein, pour voir un petit peu comment va se dérouler votre week-end. Sachez que les énergies ne sont pas figées dans le temps. Ça peut être vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ensuite, on regardera un petit peu côté sentimental également avec notre floral, le cœur floral, le normand. Nous irons prendre quelques cartes avec « Dis-moi que tu m'aimes » et nous prendrons également une carte avec augure rouge. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu notre week-end du 1er et du 2 avril 2023. Alors, 1er avril, 1er et 2 avril 2023. Ah, une dame de carreau, attention, une dame pas très sympathique autour de vous. Après, si elle est dans le domaine professionnel, il peut être question d'une chef de service, il peut être question de quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, quelqu'un aussi qui porte un uniforme, une tenue vestimentaire quelconque dans un domaine professionnel. Mais également, n'oubliez pas que ça peut être une femme qui n'est pas très sympathique autour de vous. Qui ne vous veut pas que du bien. Allez, à la coupe, nous avons... Oh, ça cogite, ça cogite. Là, il y a le mental, votre état d'esprit, hein, il y a ces engrenages qui ne sont pas bons, peut-être à cause d'un recommandé, d'un courrier qu'on est en attente, un écrit administratif qui est là. Alors, c'est théoriquement, cet écrit va arriver. Je dirais qu'on est censé avoir de bonnes nouvelles au niveau administratif. Peut-être qu'on va enfin pouvoir fêter quelque chose, mais ça vous travaille, hein, ça vous a miné. C'est peut-être un recommandé qui va arriver. On est en attente de ce recommandé. Concernant la maison, concernant la famille, concernant le foyer, pour X raisons. En tout cas, regardez, il va y avoir de toute façon quelque chose qui va être acté, qui va être décidé, qui va être signé. Il y a peut-être une réussite familiale, l'arrivée d'un diplôme, l'arrivée d'un résultat positif d'un examen qui a été passé également. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va arriver, qui vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Hein. Le mental a été très présent. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 et 13. Hop. Et nous avons votre chéri, votre homme de cœur. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être votre papa également. En tout cas, attention, votre papa, peut-être qu'il a un petit souci, il est bloqué dans quelque chose. Il est peut-être aussi complètement anéanti pour quelque chose, pour une situation, pour un événement. Pour d'autres personnes, ça peut être votre homme de cœur. Il y a quelque chose qui se termine pour lui. Là, il y a un blocage, il y a eu quelque chose. Ou bien, c'est peut-être également pour vous. Il y a peut-être pour certaines personnes un pont qui se coupe, une rupture avec ou votre homme de cœur ou votre papa, une dispute aussi, quelque chose qui fait que vous avez dû vous déplacer, vous allez vous rencontrer, vous allez discuter peut-être un peu violemment, qui explique la rupture. En tout cas, la fin de quelque chose. Alors, nous avons, regardez ça, cette réussite pour certaines personnes. Vous avez l'as de trèfle, vous êtes en haut de cette montagne. Vous réussissez quelque chose que vous mettez en place, que vous avez une démarche que vous avez faite, une demande que vous avez demandée. Regardez, c'est validé, c'est acté. Vous avez pour ce week-end du 1er et du 2 avril, les amis, une certaine réponse positive. Alors, on a pu le voir tout à l'heure au dos, ça peut être un examen qui arrive, une possibilité. Alors, on a réussi son permis, on a réussi un diplôme, on a réussi, on a quelque chose, un VAE qui est validé aussi, par exemple. Ça peut être une bonne nouvelle côté professionnel, mais une bonne nouvelle également côté famille ou côté immobilier.
Vous voyez, on parle bien de changement, de grands changements, de déménagement. Certaines personnes m'ont fait part que certains tirages étaient répétitifs. Alors, ce n'est pas moi qui fais les énergies, ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Et effectivement, il est beaucoup question de changement, de déménagement, d'orientation nouvelle depuis quelque temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je le vois dans vos commentaires d'ailleurs, qui veulent changer. Changer professionnel, se reconvertir ou tout simplement déménager, changer de région, partir. Ce qui explique que ça sort régulièrement. Il est encore question là de quelque chose qui est validé, un changement, un projet en tout cas. On va dire, un grand déplacement. Hein. Alors, ces papiers administratifs, ces recommandés vont arriver. Peut-être qu'on a beaucoup cogité, on l'a beaucoup attendu. En tout cas, il est bien question d'écrits, de recommandés, de papiers qui arrivent. Qui viennent du lointain, qui viennent d'un homme qui habite dans une autre région, autre ville, autre département, qui peuvent venir aussi de l'étranger, pourquoi pas. Il peut être question aussi d'avoir des nouvelles d'un homme qui habite au lointain ou qui est peut-être tout simplement étranger également, d'origine étrangère. Bon, alors, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas aller, ça va un petit peu vous contrarier. Il se peut aussi qu'il y ait une situation qui est d'une autre ville, d'une autre région, d'un autre département qui vous mine. Ça peut être également cet homme, un homme qui est dans peut-être une profession comme genre militaire, qui se déplace beaucoup d'ailleurs. Il y a quelque chose qui le travaille. Bon, malgré tout, c'est quand même de courte durée, j'ai envie de dire, parce que nous avons bien une réussite, nous avons quelque chose qui va être signé, l'obtention de quelque chose qui est arrivé. Peut-être, justement, il y a une signature, il y a quelque chose qui arrive, mais qui vous stresse, parce que c'est peut-être tout simplement un grand changement qui est validé, quelque chose que vous allez devoir vous déplacer, ou partir, ou déménager, ou plus loin que chez vous, ce qui explique qu'on est un petit peu stressé. Regardez, c'est du domaine professionnel ou dans votre activité de tous les jours. Hein. On a enfin quelque chose qui est converti à un travail de longue haleine. Si on a commencé, par exemple, à faire des projets professionnels ou de mettre en place quelque chose qui peut être aussi en lien avec la maison, parce qu'on l'a vu tout à l'heure au dos, hein, eh bien, il y a quelque chose qui est validé là. Certes, ça a peut-être un petit peu fait peur, stressé. Peut-être aussi que c'est dans le monde. Sans doute aussi médical pour certaines personnes, d'où cette histoire de peut-être porter un uniforme, une blouse ou quelconque. En tout cas, il y a quelque chose qui est acté, qui est validé concernant l'activité professionnelle. Certaines personnes ont reçu également peut-être une confirmation concernant le travail, une augmentation, une élévation, une promotion. Alors, c'est peut-être un jeune homme, un jeune chef de service, ou c'est simplement aussi de bonnes nouvelles professionnelles pour votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être également vos enfants, hein. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles concernant vos enfants. Nous avons quelque chose qui est acté, qui est validé par un homme officiel. Ça peut être un chef de service, un patron, on a pu le voir. Vous pouvez lui-même être, par exemple, votre propre patron si vous avez décidé de mettre en place quelque chose professionnellement, de créer votre entreprise. Alors, quoi qu'il en soit, il y a également question, c'est peut-être le même homme d'ailleurs, hein, d'un homme officiel autour de vous. Votre chérie va peut-être aussi avoir affaire à un homme officiel autour de vous. C'est un joli tirage. Ah, nous retrouvons vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou une personne âgée, ou il peut être question aussi de médecin pour votre maman. Vous pouvez peut-être en apprendre que votre maman va voir le médecin. Il y a une officialisation, en tout cas, il y a quelque chose de très officiel, également avec pour une personne qui est plus âgée. Nous avons cette dame de pique là également qui peut être liée avec un homme officiel, une démarche. Ça peut être vous, comme je le disais, hein, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Hein. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre maman. Vous êtes peut-être en attente des nouvelles de votre maman, soucis médicaux par exemple, a peut-être des analyses, peut-être qu'elle est en examen, et vous êtes en attente de ces nouvelles. Ça peut être aussi tout simplement vous qui attendez des résultats d'analyse. Bon, on voit très bien que là, on est sur un nouveau départ. Il peut être même question de grossesse pour certaines personnes. On peut apprendre sans doute aussi. On va recevoir comment on appelle ça? Naissance. Hein, voilà. Bon, vous avez compris, le mot m'échappe.
Mais ça peut être également tout simplement que vous êtes en attente de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on voit qu'il y a une très grande réussite pour votre maman ou pour une personne plus âgée que vous, ou bien tout simplement pour vous. Si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou peut-être même grâce à une personne, quelqu'un qui a du caractère en tout cas, il y a une belle réussite professionnelle. On voit très bien que c'est lié à l'étranger, ou c'est lié dans une autre ville, un autre département, une autre région peut-être, même qu'il est question d'ailleurs de partir concernant son travail. Hein. En tout cas, c'est validé, vous allez en avoir des nouvelles. Il est question également d'avoir des nouvelles d'un jeune homme, ou bien de votre fils, ou bien de votre chéri aussi, s'il est plus jeune que vous, de quelques semaines, de quelques jours, de quelques mois. Et ça lui fait peut-être un peu peur, parce qu'il y a du déplacement qui va devoir être fait. Ou c'est peut-être vous, ça vous inquiète, parce qu'il y a du déplacement qui va devoir être fait. Alors, on voit très bien que c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, de beau. C'est très officiel, c'est acté par un homme officiel. Doublement, parce que là, on a une réussite avec cette tasse de pique hein, déjà, et des papiers administratifs ou tout simplement aussi des papiers recommandés qui arrivent. Il y a plutôt, c'est plutôt un beau tirage, il y a du mouvement, il y a du changement, même si ça stresse un petit peu, je trouve que c'est pas mal. Alors, 7, 1, 2, 2, 8, 1 seul, 9, un seul aussi, bon, 10, il y en a un, alors, valet, valet, il y en a un, deux, deux valets, roi, nous en avons un, deux aussi, bien, as, nous en avons un, et deux. Bon, ouais, tout est par deux, les amis. Je ne recouvre rien parce qu'il n'y a rien en soi de négatif à part un petit peu de stress. Alors, nous avons pour ce week-end une très belle réussite sur des papiers recommandés, sur un recommandé dont vous êtes en attente. Une très belle réussite sur votre mental aussi. Ça va beaucoup, ça va aller beaucoup mieux. Une belle réussite sur un écrit que vous allez recevoir. Vous avez quelque chose qui est très agréable. Nous avons pour vous, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou pour votre maman ou une personne âgée, quelque chose de très officiel qui va être signé, qui va être décidé. Nous avons dans le domaine professionnel également, ou dans votre activité de tous les jours, une officialisation, puisque nous avons bien cet homme officiel, une promotion au niveau travail pour certains, une officialisation de quelque chose dans votre vie de tous les jours qui vous permet de démarrer quelque chose qui est peut-être à l'extérieur, voire même à l'étranger. En tout cas, c'est validé. Et ce qui est validé, c'est un grand changement, un grand voyage. Peut-être envisagez-vous de voyager, de déménager. Il y a des nouvelles qui vont arriver, là, qui vont vous stresser un petit peu ou qui vont être stressantes. Pour votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ou aussi de votre fils, de votre, de vos enfants. Alors là maintenant, mis de cette façon, je vais quand même en mettre une sur le 8 de pique. Ces nouvelles qui sont stressantes concernent un jeune homme, concernent votre chéri s'il est plus jeune que vous. Ah ben, elles viennent tout simplement d'une officialisation de quelque chose, qui peut être d'une officialisation de carrière, qui peut venir d'une dame qui n'est pas très sympathique et qui fait peur en fait, hein, tout simplement. Ça peut venir d'une chef de service, bien que là, elle n'est pas collée au neuf. Hein. Ça peut venir de quelqu'un qui a un certain caractère. Vous allez devoir peut-être certainement d'ailleurs vous déplacer pour aller la voir. C'est peut-être une convocation qui fait que ça stresse, une convocation de quelqu'un qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt de bonnes nouvelles et c'est plutôt agréable. Alors, nous allons regarder maintenant avec notre Witness of pour le week-end du 1er et du 2 avril. Hop. Coup de chance, le trèfle. Le trèfle, regardez ça, avec une officialisation. Alors là, si on n'est pas, on n'officialise pas quelque chose, il peut y avoir aussi de très bons résultats qui retombent médical, quelque chose de, pour vous, mon consultant, concernant également les finances, sans doute. Ça parle tout seul.
Allez, week-end du 1er et du 2 avril. Waouh, le soleil, quelque chose est. L'abondance, abondance d'échanges, abondance financière. Il y a quelque chose qui est mis en avant, qui est lumineux, qui rayonne, qui est réussi. Il y a de la réussite. Alors, 1, 2, 3. 7. Et nous avons au dos ce soleil qui ressort, hein. Quelque chose qui est mis en lumière pour vous, ma consultante. Quelque chose de très joli, une union, un accord. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un accord dans le couple, une union. Voilà, on se pacte, on se marie. Peut-être aussi que vous allez recevoir un faire-part de mariage, faire-part de naissance. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous allez peut-être aussi recevoir un faire-part de naissance ou vous-même envoyer d'ailleurs un faire-part de naissance. Quoi qu'il en soit, si c'est dans le domaine sentimental, c'est rayonnant, c'est chaud. Si c'est un accord, il est là. Vous allez recevoir un accord financier également et c'est perçu comme un très grand coup de chance. En tout cas, c'est bonne nouvelle et je vous le souhaite. Alors, nous avons les nuages. Bon, c'est pas très méchant. C'est simplement que peut-être il y a un petit peu de. On est un peu perdu par rapport à justement ces courriers que l'on attend, puisqu'on a vu qu'on attendait des courriers, on attendait des nouvelles. Il y a peut-être une petite confusion. Alors, il peut y avoir une petite confusion sentimentale, émotionnelle. Rien de bien méchant, comme je vous le dis toujours. Les nuages ne font que passer. Et on voit déjà les éclaircies derrière, déjà, hein. Il peut y avoir une petite confusion sentimentale, une incertitude. Une petite incompréhension dans le contrat, dans le recommandé qui arrive, on a pu le voir tout à l'heure, ou tout simplement une petite incompréhension concernant à un moment donné vos sentiments dans ce que vous êtes en train de faire ou dans ce que vous voulez faire. Il y a le doute qui s'installe. Est-ce que je fais bien de changer? Est-ce que je fais bien? J'ai de la route. Je vais devoir faire de la route par rapport à mon changement. Donc peut-être qu'on s'interpelle, on se pose des questions. Alors, on va discuter là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges quand même. Attention toutefois que les échanges ne soient pas trop virulents, hein. Alors, on voit très bien qu'effectivement, il va y avoir une conversation. Cette conversation, à un moment donné, elle peut être perturbante. Je vois pourquoi je revois du sentimental là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir une conversation sentimentale perturbante parce qu'on ne sait pas trop où on en est. Maintenant. Si c'est quelque chose qui est en lien avec vos projets ou quelque chose qui vous tient à cœur, il peut y avoir, on voit de la médisance autour de votre projet sans doute. D'ailleurs, ça attire sans doute peut-être la jalousie, la méchanceté. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien y faire. Il peut y avoir tout simplement une incompréhension qui peut vous toucher et vous faire simplement mal en fait, hein. Il peut y avoir aussi une conversation pour d'autres. On va dire une conversation à cœur ouvert, vous voyez, on met tout à plat sur des choses qui nous avaient peut-être éventuellement perturbées ou qui font peur, hein, tout simplement. Alors, il y a des informations qui arrivent là, il y a des informations qui vont dont vous allez prendre connaissance. Peut-être qu'il y a d'ailleurs des faits. C'est pour ça que vous allez être perturbé. Vous allez prendre connaissance de choses que eh ben, vous n'étiez pas encore au courant. Alors, c'est quand même un domaine qui va vous perturber. On va pas s'en dire qu'il y a quelque chose qui va sérieusement comment je peux dire, vous perturber, oui. Peut-être suite à des rumeurs, peut-être aussi que il y a eu de la discussion, ou on a de la discussion et pour l'instant, on n'a pas voulu en parler. Il y a comme quelque chose que l'on ne veut pas divulguer, vous voyez. On ne veut pas en parler. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose ou hein, vous avez des projets, peut-être en couple, sentimentaux, et vous les gardez secrets pour l'instant parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a de la jalousie autour de vous. Donc peut-être que ce qui est fait, ce qui explique qu'on ne veut pas en parler. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi comme un projet secret ou voire une liaison secrète autour de vous pour certaines personnes. C'est pour vous, mon consultant. Il peut y avoir quelque chose ambigu, quelque chose que vous cachez, ou que l'on vous cache d'ailleurs, hein. On voit très bien que par rapport à des discussions, déjà côté sentimental, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une déclaration qui va se faire très officielle en public, qui va vous marquer, hein, tout simplement.
Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'on peut être sur une histoire de plusieurs partenaires ou bien tout simplement un environnement autour multiple qui pose un problème ou qui vous met dans une certaine incompréhension. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Ce que je peux voir aussi par rapport à vous, mon consultant, j'ai l'impression que vous êtes en train de il y a une grosse tension parce que émotionnellement vous êtes mis à rude épreuve, ou on vous a caché quelque chose, ou il y a comme un lieu, un endroit qui vous fait peur ou qui vous semble incertain. Peut-être que si vous avez décidé de fêter quelque chose, par exemple, à un endroit, dans un lieu, eh bien, ce lieu vous semble pas sûr, ne vous semble pas serein. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous semble pas adapté à ce que vous voulez faire, tout simplement. Bon, il va sans dire que par rapport à certaines rumeurs qui vont arriver, on va à un moment donné tourner le dos, c'est pas bien méchant. Au niveau cœur, il y a beaucoup d'émotions, hein, oui, pour vous, mon consultant. Là, c'est vous qui êtes sorti, on va dire que c'est vous, mais vous pouvez inverser, c'est vous aussi, madame. Il y a beaucoup d'émotions, hein, avec un homme ou pour un homme. Il y a des sentiments qui sont très profonds, qui sont très secrets. Peut-être que de ce fait, on va en discuter, on va peut-être mettre les choses à plat, on va évoluer dans ce sens. En tout cas, ce que l'on voit aussi, qu'il peut y avoir une belle conversation amoureuse, un couple qui va peut-être aussi s'engager, une conversation à cœur, sur un engagement. Bon, je vais en remettre deux. C'est beaucoup, c'est curieux, c'est beaucoup le côté sentimental qui est sorti. Bon, il y a de la discussion, hein, animée, hein, quoi qu'il en soit, par rapport peut-être aussi à une sortie. Vous êtes en train de. Vous allez faire la fête, fêter quelque chose. C'est l'impression que j'ai. On va fêter quelque chose. Mais. On va fêter quelque chose, mais à propos de cet événement, il va y avoir du commérage, quelque chose qui va être caché, ou oui, quelque chose qui est caché. Alors, il y a une officialisation, hein, pour certaines personnes. Hein, il va sans dire que tout à l'heure, je crois qu'on l'avait vu aussi. Il y a une officialisation. Avec la tour, on va très bien voir que vous allez mettre en avant quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur déjà. Il y a des discussions juridiques, hein, qui vont revenir, mais il peut y avoir aussi des vieilles rengaines du passé, j'ai l'impression justement, qui peuvent être mises en avant au moment dans un lieu public ou avec d'autres personnes. Voyez, vous allez couper. Alors peut-être que justement, vous allez couper, vous allez prendre une décision, on va dire, qui peut être tranchante d'ailleurs, hein, pour certaines personnes. S'il y a une négociation là, ou alors vous allez interrompre une discussion. C'est vous qui risquez d'interrompre une discussion qui ne va pas vous plaire du tout dans un lieu public, à un endroit où on fait quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre de couper. Vous allez couper d'ailleurs, ça ne vous intéresse absolument pas d'apprendre ce que vous allez apprendre. On va essayer vous allez à un moment donné ne pas comprendre d'ailleurs le pourquoi on essaye de noyer tout ça. Il y a une officialisation pour certaines personnes avec cette tour, des discussions juridiques qui vont arriver. Il y a également justement ce côté juridique qui risque de vous faire peur un peu. Il y a un jugement qui va vous déstabiliser pour certaines personnes. Ensuite, on voit très bien ce côté nouvelle, ce côté qui vont arriver que vous êtes en attente d'ailleurs, hein, qui va arriver d'un établissement public, des nouvelles qui vont arriver aussi peut-être pour certaines personnes d'université. On avait vu des résultats avec le jeu de 32, hein, aussi également. Il y a peut-être question également de démarches universitaires qui expliquent aussi ce trouble. Ensuite, que vous dire de plus? Beaucoup d'infos alors, hein. Il y a effectivement quelque chose, une organisation publique, quelque chose de public qui fait que des décisions vont être prises.
des décisions vont être prises, tout simplement, c'est fini, j'ai envie de dire. Il va y avoir comme quelque chose où on passe à autre chose par rapport à justement une situation publique, une situation qui était installée, qui était là, qui était rigide depuis longtemps, hein. Eh bien, on y met fin. Fin de l'isolement pour certaines personnes, fin tout simplement de l'autorité. Et on le fait d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on met en avant, en fait, hein. Alors, sentimentalement, ben, on voit que ça vous plaît d'ailleurs, mais on met vraiment fin à cet isolement. C'est la fin de se retrouver, en fait, coincé dans un carcan où fait ci, fait ça. Eh bien, on y met fin. Pour certaines personnes, il peut y avoir, attention, une petite intervention chirurgicale concernant un petit bobo cœur. Je ne vais pas dans le domaine de la santé, mais là, je le vois, donc je vous le dis, hein, hôpital, cœur, petite intervention chirurgicale. Pour d'autres, il peut y avoir une conversation à laquelle on coupe court, hein. Il va sans dire que vous pouvez vous retrouver tranchant, monsieur, hein. Bon, eh bien, écoutez. Tout ça, on va regarder un petit peu côté sentimental. Il peut y avoir un jugement aussi, un verdict qui arrive, mais qui vous a beaucoup mis dans la confusion, qui vous a, pour certaines personnes, tourmenté. Il vous a tourmenté, hein, bien entendu. Ça peut être un jugement de divorce pour certaines personnes. Vous avez appris des choses, mais de toute façon, vous allez finir. On passe à autre chose, on tranche et j'ai envie de dire, on fait la fête. On va se retrouver dans un lieu public, on va pouvoir. Souffler, tout simplement, aussi. Bon, allez, on va regarder avec. Déjà, nous allons regarder avec Monsieur Augure dans quel état d'esprit sentimental pour ce week-end du 1er et du 2 vous êtes. Je pense que si ça sortait sentimental, le tirage, c'est qu'il y avait une prédominance émotionnelle et sentimentale qui devait parler à certaines personnes. Allez, week-end du 1er et du 2. Beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentimental, beaucoup, ben beaucoup, beaucoup d'amour pour certaines personnes aussi. Allez. Voyons voir un peu. Week-end du 1er et du 2. On a vu aussi qu'il y avait une officialisation, hein, pour certaines personnes. Une union, un accord, un pacte. Un faire-part de mariage qui a été reçu ou envoyé. Allez, week-end du 1er et du 2. L'ours, la sécurité, la protection. Pour vous, monsieur, vous avez une force là. J'ai l'impression que vous avez une certaine force tranquille. Vous vous sentez serein, vous êtes prêt à protéger, à battre des montagnes. Vous êtes prêt en tout cas à avancer, hein. Il y a quelque chose de beau là, de solide. On a envie de protéger ou on a envie d'être protégé par son conjoint. Allez, hop. Week-end du 1er et du 2. Alors, nous retrouvons cet ours, cette protection, cette force tranquille qui fait qu'on va battre des montagnes. Certaines personnes peuvent se retrouver en bas. Pour démarrer quelque chose de nouveau, mais pour d'autres, il peut y avoir un blocage de relation avec des enfants aussi. Pour d'autres, on va l'abattre cette montagne, on va passer par-dessus pour pouvoir démarrer quelque chose de beau. Regardez ça, nouvelle, ça bouge, il y a du mouvement, il y a la fin de la solitude pour certaines personnes, il y a peut-être des projets de grossesse, projets de naissance également, hein. Enfant, cigogne, faire part de naissance qui est là, un bébé qui va arriver, un projet. Alors, nous avons, waouh, lumineux, le soleil. Il va sans dire que là, la relation, elle est lumineuse, elle est ensoleillée. Le soleil, ça veut dire aussi qu'on se sent tout à fait serein. On a des bons moments qu'on passe ensemble. On peut dire aussi que les célibataires, on va rencontrer quelqu'un. Le renard, alors, attention pour certaines personnes. Et célibataires, si vous allez rencontrer quelqu'un, faites attention que cette personne ne soit pas trop charmeur. Qu'elle n'essaye pas de vous la faire à l'envers, de vous jouer le charmeur et que on est flatteur, vous voyez, on porte un masque. Hein. Peut-être aussi que là, en ce moment, ben, on peut retrouver ces nuages, c'est-à-dire que on se demande un petit peu quelles sont les motivations.
On est peut-être prudent également concernant sa relation sentimentale. On se montre prudent parce qu'on a pu voir qu'il y avait une petite incompréhension. Alors, on est très prudent dans le couple. Peut-être aussi qu'il y a eu une demande justement de, on va dire, de vie ensemble, d'union, d'accord, ou c'est peut-être ton rêve aussi que l'on a. On est prudent par rapport à ça. On n'a peut-être pas envie trop pour l'instant de donner sa réponse, ou si on est déjà en couple, on est en train de regarder un petit peu, parce que d'un seul coup, on regarde la situation autrement, hein. On se demande un peu où on va. J'ai l'impression que on est flatté ou on se sent flatté d'un côté, et de l'autre, on se pose beaucoup de questions. Pour d'autres personnes, le couple est rayonnant, hein. S'il y a du soleil, s'il y a de l'union, il y a de l'accord, il y a quelque chose de beau qui est fêté, le cocooning, la maison. On se sent bien dans sa maison. C'est le confort, c'est la sécurité. On a pu le voir tout à l'heure avec l'ours d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose de beau. Vous voyez, on retrouve ces petits nuages. Alors, ces nuages, c'est passager, comme je vous le dis toujours, ça passe, hein. On retrouvera de la clarté derrière. D'ailleurs, on en remettra une dessus. Mais pour certaines personnes, il y a peut-être une mise en lumière qui a été faite dans le couple, au sein de son foyer, au sein de son cocooning. Et on est peut-être en train de se poser vraiment des questions. Alors, les questions, ce n'est pas forcément très méchant, hein. On est un petit peu dans la tourmente. Après, adaptez-le à votre situation, bien sûr. On peut être dans la tourmente sentimentalement, on peut être dans la tourmente à cause de tierces, famille ou autre environnement. On peut être dans la tourmente tout simplement parce que pour l'instant, on se pose des questions. Si on a un petit passage à vide et tout simplement, voilà, on s'interpelle. On peut être très perturbé au niveau familialement en ce moment. Du coup, on regarde les choses un tout petit peu autrement. Ce renard, il vous dit aussi que vous êtes peut-être en train vous-même de regarder les choses différemment. Peut-être certaines personnes travaillent de chez elles également, hein, ce qui explique que ça pose peut-être des problèmes dans le couple aussi, tout simplement. Voilà. C'est parce qu'on n'arrive plus à faire la part des choses, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose aussi, peut-être certaines personnes, on cache au niveau couple. On a pu le voir tout à l'heure. Donc là, je pense aux personnes qui sont concernées, hein. Il y a comme une cachotterie au niveau du couple. Quelque chose que l'on. Peut-être une relation ou quelque chose que l'on ressent et on n'en parle pas, on le cache. Vous êtes aussi peut-être en train de regarder un petit peu comment on peut se sortir de cette situation. C'est confus, hein, dans le foyer, dans la famille, pour certaines personnes. Ça ressort sur ce jeu. Donc j'ai envie de dire c'est cohérent. Alors, nos nuages. Ouais, c'est la. Alors, il va sans dire que pour certaines personnes, vous avez quand même envie de mettre fin. Mais vous le savez déjà, hein, je vous apprends rien. Il y a une certaine tristesse, hein, au niveau du couple, au niveau du foyer, au niveau de votre relation sentimentale pour certaines personnes. Il y a du chagrin, hein, il y a du chagrin. Il y a du chagrin parce que regardez, il y a une tierce personne, il y a une femme qui peut poser un problème, de la méchanceté, il y a de la jalousie. Alors il peut y avoir dans votre couple également, pour certaines personnes, de la méchanceté, de la jalousie familiale. D'où cette maison, qui explique qu'on est dans la tourmente. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin, et que vous êtes en train d'essayer de regarder, de voir comment vous pouvez faire les choses autrement. Ce renard aussi, il montre que vous avez envie de changer votre fusil d'épaule, de changer votre façon d'agir ou de faire à cause de cette tourmente familiale. Voilà, les amis. Alors, on va regarder avec augure rouge, on va prendre une carte. Pour le week-end du 1er et du 2. 1er et 2 avril 2023. 1er et 2 2023. Il y a effectivement, comme on avait vu, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais beaucoup d'émotions contradictoires, hein. Allez, on se pose énormément de questions également. Et nous avons vulnéraire qui guérit les blessures. Si l'amour vous a fait mal, soyez convaincu que le temps agira comme un baume apaisant pour panser les blessures de votre cœur. Même s'il garde une cicatrice, il sera prêt à battre plus fort encore.
l'amour refleurit toujours. On a pu le voir tout à l'heure hein, que le cœur, ben, il était blessé. Certaines personnes ont le cœur blessé et se posent beaucoup de questions sur leur relation sentimentale. Bon, eh bien écoutez, hein, c'est pas gai tout ça. Allez, on va prendre deux cartes avec l'oracle, dis-moi ce que tu m'aimes. Bon, maintenant, les énergies sont ici sorties comme ça, mais pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant, vous le savez, vous avez simplement confirmation de ce que vous ressentez, j'ai envie de dire. Hein. Après, on ne prend pas de décision hâtive. On se pose les bonnes questions, on dialogue également. Allez, week-end du 1er et du 2. 1er et du 2. Hop. Et nous avons... Pardon, libération, réconciliation. Pardon déjà avec soi-même. Je pense que là, on est complètement en train de se demander si on se pardonne à soi, si on arrive à se libérer de cette méchanceté, se libérer de ses doutes aussi, parce qu'on voit très bien là qu'il y a eu des doutes, hein, qu'il y a des doutes. C'est pas toujours facile d'ailleurs de lever les doutes, j'ai envie de dire, ou de lever ce côté où l'on doute. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon. La grandeur de force et de sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou qu'elle ne le fasse. La sagesse te libérera instantanément de toutes tes froissures. Aime avec ton cœur. Avant de punir ou de venger avec ton orgueil. On voit, hein, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait des discussions qui auraient lieu aussi, hein, peut-être. Donc, sans doute que certains d'entre vous, sentimentalement, vont échanger. On l'a vu aussi, justement, par rapport à peut-être un coup de canif qu'il y a eu dans le contrat, hein, façon de parler. Et on va échanger à ce propos. Alors, optimise, accueil, ouverture. Très joli, hein. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Très belle carte, regardez ça. Optimiste, accueil. Très jolie carte. Les cartes sont magnifiques. Alors, celle-ci nous dit quoi? L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre à travers des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme ni de celui de ton partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Cela vient sans doute aussi te tracasser parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose, on va discuter dans le couple de quelque chose et votre partenaire passe peut-être l'éponge en disant c'est rien ou c'est vous d'ailleurs. Hein. Ne soyez pas donc étonné d'être très optimiste. On pardonne, on discute pour les personnes qui le peuvent hein, bien entendu et on accueille cette optimisme, cette ouverture, on redémarre, on démarre quelque chose de joli. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous souhaite un excellent week-end, merci pour les pouces j'aime, merci de, si vous n'êtes pas encore abonné, ben de nous rejoindre. Merci pour vos commentaires, je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine et les tirages journaliers et je vous dis à bientôt.